Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Carafif, la chaîne libre, gratuite, sans pub et qui le restera. Merci de me rejoindre pour essuyer les plâtres de cette nouvelle série de tutos consacrée à un logiciel absolument extraordinaire. Vous avez sans doute entendu parler de LibreOffice, de GIMP ou bien encore de Firefox. Ces logiciels doivent leur succès à leur qualité intrinsèque, mais aussi au fait qu'ils ont été portés sur plusieurs systèmes d'exploitation, favorisant ainsi leur diffusion en plus grand nombre. Le logiciel que je vous propose ce soir est un logiciel multiplateforme, vous pourrez donc l'installer sur votre Mac, sur votre Windows et bien entendu, comme c'est le cas aujourd'hui, sur votre Linux. Ce logiciel s'appelle Ogin, c'est un logiciel qui sert à créer ce que l'on appelle des panoramas. Un panorama est une photo créée à partir de l'assemblage de plusieurs vues prises dans les mêmes régions et assemblées entre elles au travers d'un logiciel. Si vous êtes sous Linux, et si vous avez comme moi la chance de l'être, et comme d'autres bien entendu, vous n'aurez aucune difficulté à trouver Ogin car il est sur tous les dépôts de toutes les distributions. Vous ouvrez votre gestionnaire de logiciel préféré, vous tapez Ogin dans le moteur de recherche et instantanément il apparaîtra en tête de liste. Si vous n'avez pas comme moi et comme d'autres la chance d'être sous Linux, eh bien il vous faudra chercher un petit peu. Je vous invite donc à taper Ogin dans votre moteur de recherche préféré et le premier lien que vous verrez apparaître sera le bon. Vous cliquez dessus et vous arriverez sur la page du logiciel Ogin, la page du site du logiciel Ogin, avec bien entendu les traditionnelles rubriques inhérentes au logiciel, les tutoriels, des documentations, un onglet sur la communauté, des galeries, etc., des screenshots, et bien entendu un onglet download. Vous cliquez dessus et vous arrivez sur la page de téléchargement dans laquelle vous aurez à votre disposition toutes les archives inhérentes à tous les systèmes d'exploitation. Comme vous pouvez le constater, Ogin est compilé sur toutes les déclinaisons de Linux, et bien entendu, vous pouvez le trouver sous macOS X, et bien entendu, sous Windows. Une fois que vous avez téléchargé, installé Ogin, et que vous l'ouvrez pour la première fois, voilà à quoi vous allez vous attendre. Ogin va vous offrir une petite fenêtre d'astuces, et deux fenêtres d'interface. Un petit mot sur l'astuce du jour. C'est une mine d'informations sur le logiciel. Je vous invite à faire défiler ces astuces en cliquant sur Astuce suivante et de les lire. À l'intérieur, il y a toute une succession d'informations qui vous aideront à mieux comprendre le logiciel, quelques petits goodies et bien entendu, des informations importantes pour mieux l'appréhender, et mieux le connaître. Nous allons pour l'instant nous en passer en cliquant sur Fermer, mais bien entendu, à partir du moment où nous laissons cocher Afficher les astuces au démarrage, tant que vous ne l'aurez pas décoché, elles resteront apparentes à chaque ouverture de GIN. Nous avons donc à notre disposition deux interfaces, une interface dite simplifiée, encore que la notion de simplicité est encore un petit peu abstraite, puisque comme vous pouvez le constater, il y a énormément d'onglets, de boutons, de coches à paramétrer, etc. Et une deuxième interface qui sert à éditer certains paramètres bien précis de vos panoramas. Pour l'instant, nous n'aurons pas besoin de cette deuxième interface, aussi je vous invite à faire ceci. Vous allez dans le menu Interface, vous cliquez dessus, et vous sélectionnez Simple. La deuxième interface, comme vous pouvez le constater, va disparaître et ne vous laisser que l'interface simplifiée. Si je ferme cette interface et que je réouvre mon Ogin, au prochain redémarrage, bien entendu, je me retrouverai sur l'interface simplifiée d'Ogin. Nous avons donc nos petites astuces que nous fermons et nous avons notre maille de départ pour le tuto suivant, celui qui viendra, le tuto numéro 2. Notre petite interface qui va nous permettre de faire un panorama en automatique. Puisque l'on parle de panorama, rendons à César ce qui est à César. Il existe dans le monde des logiciels de panorama plusieurs logiciels, dont un tire plus particulièrement son épingle du jeu. Ce logiciel s'appelle Autopano, Cocorico, il est français, et c'est à mon avis, et je ne suis pas le seul à le partager, probablement le meilleur logiciel d'assemblage de panorama au monde. Il est rapide, puissant, intuitif, automatisé. C'est un logiciel absolument merveilleux, mais dans sa déclinaison pro, vous devrez lâcher à votre petit porte-monnaie quelques petites centaines d'euros. Bien entendu, Ogin, comme tous les logiciels que je vous présente sur cette chaîne, est gratuit et open source. Donc, si son intuitivité n'est pas apparemment très accessible, je vous invite, comme pour Darktable et pour d'autres, à prendre le temps de bien l'appréhender et vous ferez ainsi des économies substantielles. Et vous pourrez manipuler un logiciel dont la puissance n'a rien à envier, en tout cas pas grand-chose, au logiciel phare, Autopano. Puisque je suis dans cette petite interface simplifiée, si je clique comme un sourd devant les onglets, vous voyez qu'il ne se passe rien. Il ne se passe rien, car Ogin ne vous laissera rien faire tant
que vous n'aurez pas chargé des images. À titre purement démonstratif, car nous ne ferons rien de très passionnant ce soir, je vais charger quelques images et vous dire une petite chose très importante. On peut faire des panoramas à partir de 2, 3 images, mais on peut en faire à partir de 5, de 10, de 50, de 100, voire de plusieurs dizaines de milliers de photos. Il n'existe pour seule limite à la conception d'un panorama que celle de la puissance de votre matériel, car généralement, les logiciels sont étudiés pour pouvoir encaisser énormément de données. Ce qu'il leur faut, bien entendu, c'est un gros moteur en dessous pour leur filer du jus. Inutile de vous dire que si vous avez une petite bécane, pas très puissante, avec un petit microprocesseur, peu de RAM, il vous faudra manipuler les images qui vont vous servir de source à vos panoramas avec certaines petites obligations liées à la faiblesse de votre matériel. Vous ne pourrez pas éditer d'images trop fines, trop grosses, trop importantes. Vous devrez sacrifier au prorata de la puissance de votre matériel un certain degré de qualité de vos panoramas. Mais sachez qu'en règle générale, avec une bécane courante, on arrive très facilement à faire des panoramas de qualité avec Ugin. Vous voyez que j'ai chargé trois images, celle-ci, celle-ci et celle-ci, et que ces trois images apparaissent sur une espèce de sphère. Tout ceci doit vous apparaître bien mystérieux, mais vous verrez qu'au fil des tutos, et très rapidement, nous apprendrons à connaître comment tout cela fonctionne, et pourquoi il y a une sphère ici, pourquoi vous voyez des petits axes, pourquoi il y a une grille, et pourquoi ceci, et pourquoi cela. Maintenant que j'ai chargé mon image, vous voyez que je peux rentrer dans tous les onglets et voir ce qui se passe à l'intérieur. Ne sortez pas la boîte d'aspirine tout de suite, il est vrai qu'en faisant défiler des onglets, vous voyez des choses bien étranges et qui peuvent faire peur de prime abord. Sachez que lorsque nous aurons décortiqué tout cela vous semblera beaucoup plus simple et beaucoup plus facile à appréhender, rassurez-vous, nous irons comme d'habitude sur la chaîne Carafif, pas à pas, gentiment, et nous finirons par faire des choses très intéressantes. Dans le prochain tuto, nous allons assembler un panorama en automatique, et ainsi prouver que Guin est capable de travailler tout seul et de faire les choses très très bien, peut-être aussi bien qu'AutoPano, sans l'aide de votre intervention. Puis dans le tuto suivant, nous rentrerons dans l'assemblage d'un projet aussi simple, mais nous rentrerons dans le monde merveilleux des points de contrôle. Puis dans le tuto suivant, nous ferons un assemblage de ce que l'on appelle une projection stéréographique, plus vulgairement appelé un effet mini-planète. Avant de nous quitter ce soir, sachez deux ou trois petites choses. Un logiciel de panorama charge différentes photos. Ces photos doivent être prises selon des règles précises. Nous le développerons bien entendu dans les tutos suivants, mais sachez en gros qu'on ne prend pas la pointe de la tour Eiffel, la tour Montparnasse et le pont de la rivière Kouai en essayant d'en faire un panorama. Il faut bien entendu que les vues qui sont destinées à être assemblées soient relativement proches et qu'elles aient ce que l'on appelle un facteur de recouvrement. Il faut donc qu'entre chaque image, certaines zones se superposent à d'autres afin que le logiciel les balaye et crée ce que l'on appelle des points de contrôle. Il va chercher dans chaque image des points de détail qu'il va reconnaître entre chaque image et les lier de manière à pouvoir savoir exactement à quel endroit il va pouvoir les superposer afin de créer une image beaucoup plus grande. Rassurez-vous, là encore, nous rentrerons dans les détails dans les tutoriels suivants. Voici ce premier rendez-vous terminé, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tuto numéro 1 et je vous dis à très très bientôt pour le tuto numéro 2 et pour de nouvelles aventures sur la chaîne Carafif et surtout, comme d'hab, n'oubliez pas, c'est bon pour le référencement. Abonnez-vous, à bientôt, salut, bye bye.